Quand tu passes, il change. C'est une personne, par son passage, il laisse des traces. Je vais te dire ce matin, ceux qui partaient les gamins, ils étaient à la trace. Ceux qui avaient les gamins, ils étaient à la trace. Jésus-Christ, partout où il est passé, il a laissé des traces. Et j'entends bien savoir que Jésus est passé ici. Et je vais te dire que ce matin, Jésus est venu pour passer. Non pas pour laisser le plan, mais pour laisser les joies. Non pas pour porter le malheur, mais pour porter le bonheur. Là où les hommes ont laissé des mauvaises traces, Jésus-Christ, à son passage, il vient pour tout changer. Ce matin, je vous parle de Jésus. Là où il y a les troubles, il apporte le calme. Là où il y a le chagrin, il apporte la joie. Il change l'eau en vin. Pendant que Yesu Asawana, les choses changent automatiquement. Comparativement au précédent, lui ne vient pas pour détruire. Lui vient pour rebâtir et reconstruire là où les autres ont détruit. Là où les autres t'ont rabaissé, lui, quand il vient, il te relève. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est celui qui change l'eau en vin. C'est lui qui change l'humiliation en élévation. C'est lui qui change la stérilité en fécondité. C'est lui qui change la tristesse en chant d'allégresse. C'est lui qui change l'angoisse en paix. C'est lui qui change le désespoir en espoir. C'est lui qui change le trouble en tranquillité. Et c'est lui qui change le combat en victoire. Amen. Jésus. Voilà pourquoi le thème de ce matin s'intitule « À la rencontre de Jésus ». Dis après moi « À la rencontre de Jésus ». Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans Marc, chapitre 10, verset, à partir du verset 46. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à déterminer la caractéristique de la personne dont on parle. Ils criaient beaucoup plus fort. Alors que Basile Oukiti, ça y est, lui continue à crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus est allé des rencontres. Quand tu peux faire un bilan, un bout là-haut, quand tu me fais un bilan en 2023, il y a des ceux qui regrettent aussi. Il y a des ceux qui, pendant cette année, ont eu à faire des rencontres, ont eu aussi à se séparer avec certaines personnes. Cette année a été une année bizarre. Beaucoup ont perdu des êtres chers. Beaucoup ont perdu des proches. Mais ce matin, je ne suis pas venu nous rappeler un mauvais souvenir et un moule à 2023, quand nous sommes déjà au soir, vers la clôture de 2023. Mais je suis venu seulement nous donner de l'espoir pour nous dire que dans le temps qui reste, notre Dieu, Jésus qui passe ce matin, il est capable de bander toutes les plaies ouvertes durant cette année. Il est capable de redonner de l'espoir, la joie, redonner tout ce que tu as perdu, voire même plus que ce que tu as perdu. Je disais tantôt qu'ici, il y a des rencontres qui ont brisé ton cœur, défavorables pour toi dans le passé. Aujourd'hui, je vais vous présenter Jésus-Christ, dont le passage est capable de changer les choses. Ici, quand nous soyez soignés, quand même la passage de ce temps-là, il laisse toujours des traces qui montrent que non, il y a quelqu'un qui est passé par ici. Et ce n'est pas le passage de n'importe qui, mais d'une personne qui laisse des traces indélébiles, donc des traces au bas, tu vas avoir la capacité pour moi un peu pour détecter que, oh, il y a soudé à l'écart. Et ce Dieu est capable de faire des choses que les hommes vont voir et dire que non, non, oh, il y a soudé à l'écart. Donc ça va envoyer. Nous t'avons dit 2023, kakaboui, mais 2023, ici, kakaboui. Je vais te dire ce matin, le livre d'Esther. Hein? Amen. Hein? Amen. Livre Esther, il va dire l'histoire Esther. Hmm? Quand tu prends ta Bible, tu lis l'histoire du livre d'Esther. Comme dans le chapitre 1, tu n'entendras pas parler d'Esther. Mais le fait que le livre d'Esther n'ait pas commencé par Esther, cela ne m'a pas empêché que Esther soit parlée dans ce passage, dans ce livre-là. Je disais ceci. Malgré que livre Esther et bandit Esther dit, il y a mon dîner et empêché à qui la catégorie tout au long, il y a livre Esther, l'histoire Esther et bêta ma paix, et ça a marqué la catégorie d'histoire. Ça veut dire autrement que ce qui a 2022 maintenant, j'ai envie de dire, tu le gomou avatar en combo la haute. Tu es capable pour le restant de cette année, que va t'en combo la panne matin bongo. Ce qui n'a mouru bandit psycho, va t'en combo la haute panne matin bazoan du salatier. Dieu est capable pendant le peu de temps qui reste ici, à personne pour salam alam. Ce qui n'a mouru bandit bandit, va t'en combo la haute panne matin. Dieu est capable pendant le temps qui reste ici, que cette année on parle de toi, on te cite, ma grâce
sert pas ses frères, il va. Il est capable de faire en sorte que là où, du début de l'année, on n'a pas parlé de toi, que tu restes du temps pour que cette année finisse, qu'on puisse parler de toi, parler de moi. Amen. Le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais il a fini par l'histoire d'Esther. Amen. Dans le passage que nous allons lire, là j'entre déjà dans le fin fond de mon message, je vous parlerai des personnages de la Bible. Je vais te vous parler ici ce matin de la rencontre, à la rencontre de Jésus. Mais je dois soutenir ça par des passages, par des personnages de la Bible qui ont aussi eu à rencontrer Jésus. Mais leur rencontre avec Jésus, qu'est-ce que cela a apporté dans leur vie? Ce sont ces personnages que nous allons partager ce matin. Et cela va nous amener à nous là. Tu es prêt? Acclame le Seigneur. Nous commençons par le passage que venons de lire. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. On nous parle là de Bartimée. On nous précise Bartimée, fils de Timée, aveugle mendiant. Il n'était pas seulement le fils de Timée, mais il était aussi aveugle mendiant. Donc il ne voyait pas, mais il mendiait. Donc Bartimée avait un défaut, avait un handicap. C'est que Bartimée ne voyait pas. Hein? Amen. Hein? Oui. Bartimée ne voyait pas. Yozo Monanga, tu peux dire qu'elle a une couleur telle, mais Bartimée, par contre, ne pouvait pas voir. Il avait un handicap. Mais il y a un atout, des atouts que Bartimée avait. Malgré qu'il n'avait pas la capacité de voir, mais il avait des oreilles. Il avait aussi une bouche. Ses oreilles lui ont servi d'entendre que ce jour-là, il y avait un homme qui passait, mais dont le passage dans le passé a laissé des traces. Donc Bartimée connaissait l'histoire de Jésus. Malgré qu'il ne voyait pas, il connaissait Jésus. Il connaissait aussi son histoire. Voilà pourquoi quand Jésus est passé par là, il a senti que comme il avait les oreilles pour entendre, on lui a dit non, c'est Jésus. Asalaka boye, aujourd'hui peut être aussi mon jour. Comme Jésus est en train de passer, il peut peut-être aussi être l'occasion pour moi de recouvrir la vie. Et là maintenant, Bartimée s'est servi de son second atout. Non pas seulement les oreilles, c'est sa bouche. Nancy, frère Wana, comme un évangéliste, il a commencé à crier et il n'utilisait pas n'importe quel nom. Fils de David. Donc, il relatait l'histoire, la provenance, la source de Jésus. La descendance de royauté. Et la royauté, descendance, c'est qu'on dit fils de David. David qui était un roi. Aie pitié de moi. Il a commencé à appeler fils de David, fils de David. Il a compagnie sous Christ. Au point que les gens qui étaient autour de lui, ils étaient en train de lui dire non, arrête, tu déranges. Il n'arrête. Au fur et à mesure qu'il faisait qu'on cangaillait, lui continuait toujours à crier. J'aimerais te dire, même si les problèmes s'accroissent, n'arrête pas de crier le nom de Jésus. Car le nom de Jésus a le pouvoir, a l'autorité, a la capacité de briser les limites. Le nom de Jésus a la puissance d'amener le trouble dans le camp des ennemis. Le nom de Jésus a la capacité de changer les choses que les hommes n'ont pas pu changer. Le nom de Jésus a la capacité d'ouvrir les portes que les hommes ont fermées. Le nom de Jésus a la capacité de détruire le en un clin de les œuvres de l'ennemi. Amen. Et Bartimée, au fur et à mesure qu'on l'a arrêté, lui continuait toujours à crier Jésus, au point que Jésus a entendu. Amen. Et les mêmes personnes qui étaient comme obstacle pour lui permettre d'atteindre Jésus, ben, il s'est bon courage, il t'appelle. Dieu se servira de tes ennemis comme tremplin pour te permettre d'arriver à une gloire certaine qui t'attend quelque part. Amen. Et les mêmes personnes qui étaient obstacles, c'est ce sont ces personnes-là qui l'ont permis d'approcher Jésus. Et là, c'était pour lui l'atout. Abedikat Nasuka, j'ai besoin de voir. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Pour Bartimée, c'était la vie. Pour toi, c'est quoi? Le mariage? L'argent? Ce matin, nous allons demander. Parce qu'il est déjà là, en train de sionner. J'aimerais te dire que Jésus est là. Ce matin, il est venu là, en train de sionner. Il attend seulement le bon moment pour que toi et moi puissions élever nos voix et crier à lui parce qu'il est là. Bartimée a utilisé les deux atouts qu'il avait. Les oreilles. Il connaissait l'histoire de Jésus. Et quand il a entendu que la personne, ou à aucun soir, il dit qu'il y a une autre petite caille, il a changé. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il ne passera pas ici demain. Peut-être que demain, il passera.
passera pas. Tel que ça fera des années, ça demandera des années qui passent. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne peux pas le laisser passer sans qu'il puisse me guérir. Parce que Bartimée savait le pouvoir qu'avait Jésus-Christ. L'histoire de Jésus relate les miracles qu'il a accomplis. Et il savait que Mouton est l'équipe. Et ça, mon condamnation est tiqué dans sa moué. Il a saisi l'opportunité. Il n'a pas regretté qu'il ne voyait pas. Et dans un monde, il a dit, il y a la capacité pour saisir. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Mais j'ai la bouche. Je peux parler et Jésus a les oreilles. Lui qui a créé les oreilles, il est capable d'écouter la voix de ma bouche. Et nous connaissons la suite. Nous passons directement au deuxième personnage. Le paralytique de la piscine de Bethesda, l'homme de 38 ans. Marc chapitre 8, verset 22 à 28. Marc 8, 22 à 28. Ce monsieur était assis au bord. Donc, à cela qu'il n'a source, c'est un miracle. C'est comme quelqu'un au Vandia ou un miracle des Awa. Mais tu as l'incapacité de pouvoir toucher à ce miracle. Tu es là, tu cherches du travail, vous allez appeler, mais nous avons la capacité. Vous imaginez, il est assis tout près de la piscine de Bethesda. Quand l'ange passait et qu'il remuait l'eau, le premier à sauter dans la piscine, peu importe la maladie, peu importe l'infirmité qu'il avait, automatiquement guéri. Mais cet homme n'avait pas la capacité de tomber dans la piscine parce qu'il était paralytique. Pendant 38 ans, imaginez-vous. Le miracle est là, mais il est incapable de vivre ce miracle. Parce que son corps ne lui permettait pas. Même s'il pouvait faire, il ne serait peut-être pas la première personne. Parce que c'était conditionné. Le miracle était là, mais le miracle était conditionné. Mais ce que j'aime avec notre Dieu n'est pas le genre de personne qui aime faire les choses comme tout le monde. C'est pas ce qu'on appelle ça qu'il balade mon corps. Notre Dieu est multisystème. Il n'utilise pas les mêmes manières. Il a plusieurs manières de faire, mais qui amène toujours au miracle. Amen. Et ce jour-là, cet homme a eu la visite. Comme toutefois, une belle rencontre avec celui qui avait la capacité de faire un miracle, non pas selon les attentes des hommes. Parce que pour les hommes, pour être guéris, il fallait au bout là, au côté de la maille. Mais Jésus-Christ a voulu faire écrire une histoire avec cet homme, que tu auras un miracle sec qui ne demandera pas que tu tombes dans l'eau. Comme toi, tu as l'incapacité d'aller dans la piscine. Moi, je te donnerai la capacité de pouvoir t'élever et partir guérir tout automatiquement. Et quand Jésus parle, les bras, si c'est que je te prie, Seigneur, laisse ce matin maintenant, laisse ce matin, Seigneur, que la loi de la vie, que la loi de la vie, Seigneur, que la loi de la mort cède place à la loi de la vie ce matin. Laisse que la loi de la vie entre maintenant dans les finances de cette église, Seigneur, dans les finances de cette église. Papa, la brache maya brada laba, remante le brade, remesha brase taka, rababa basse, la brada sheyama, remoche talaba. Ma poche noire m'a donné, les hommes les là, le père est loi, loi et vie. Déclare que la loi de la vie maintenant entre. Nous prenons dans ta vie. Nous commençons par Jérusalem. Nous commençons par notre église. Seigneur, lève-toi ce matin. Que la loi de la vie. Que la loi de la vie. J'appelle la loi de la vie. La loi de la vie. Comme ce jour-là, le fils unique, la veuve de Naïm, qui sortait, Seigneur mon Dieu. On était mort. On allait pour l'enterrer. Mais il a rencontré le fils unique vivant qui portait en lui la loi de la vie. Et cette loi a une force, la loi de la vie.